Aïe bobo tout le monde, vous découvrez TV et vous suivez un coup de jet. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons faire un coup de jet sur l'hymne national pays, la Dessalinienne. Ça n'a pas drôle pour un peu le monde, mais sorti 1804, arrivé 1893, le pays d'Haïti n'a pas un hymne national qui pour lui-même. C'est un pays la France, là, la Marseillaise, qui a utilisé des fois. En 1893, il y a un bateau militaire allemand qui était pour venir visiter le pays d'Haïti. Le protocole a été exigé pour jouer l'hymne national pays dans le moment où l'autorité a recevé le bateau. C'est dans ces circonstances-là, Oxide Gentil, un gros musicien pays à Ronin, a adapté un texte au sol durant écrit qui était relé quand nos aïeux brisèrent leurs entraves. C'est texte-là qui va venir servir comme hymne national. Mais, pas de aucun texte légal qui te reconnaît comme hymne national pays. Mais, depuis en janvier 1892, un groupe intellectuel a mis sous pied une association qui était portée nom Association littéraire, scientifique et artistique créée pour la célébration du centenaire de l'indépendance. L'objectif de l'association, c'était de préparer la célébration du centenaire de l'indépendance pays. C'est comme ça, en juin 1903, l'association a mis sous pied un concours dans l'idée de proposer au pays un hymne national. Le concours a été débattu là-dedans. Une partie texte et une partie musique. Chaque partie a un jury qui est là pour juger Evio. Pour juger le texte, il y a Stenio Vincent, Fernand Hibert, Arsène Chéri, Solon Menos et Charles Mouravia. Les gens qui étaient là pour juger la musique là, c'était Oxide Gentifis, Julien Coutois, Basquiat, Edmond Roumain, Dr Edmond Saint-Onge, Dr Mahoutier Herman Eo. 30 juin, c'était date limite pour intéresser ou te déposer le texte. Dans 6 textes que jury a été recevoir, c'est le texte Alexis Justin Lérisson qui était jeune plus vote. Alors, pour te soumettre le texte dans le concours, ou te pour déposer 2 enveloppes scellées. Yon qui gen œuvre là avec un slogan comme signature et non l'autre là bon nom auteur. C'est comme ça, Justin et Alexis Lérisson va remporter premier parti concours 4 votes sur 6. Alors, faut connaître Alexis Justin Lérisson sorti dans la même famille avec François Romain Lérisson, un grand poète pays à passé. Après premier parti a fini, yo pral soumettre œuvre là à divers musiciens yon façon pour capable adapter texte là en musique. Musicien ont gen jusqu'à 30 septembre pour être capable remettre œuvre. Parmi diverses propositions jury a recevoir, c'est Nicolas Fénelon Geffroy qui va remporter la victoire. Nicolas Fénelon Geffroy sorti dans la même famille avec Nicolas Geffroy, un gros général qui était bataille pour l'indépendance pays et qui était signé dans l'indépendance là. Après publication résultat, Clément Lanier, un historien, va proposer pour les œuvres la Dessalinienne, une façon pour commémorer mémoire fondateur patrien Jean-Jacques Dessalines. C'est dans ville Saint-Marc, 17 octobre 1903, il va premier chanter la Dessalinienne dans cadre d'une cérémonie qui t'a faite pour inaugurer une statue Jean-Jacques Dessalines. C'est Augustin Despradine, un chanteur qui connaît sous nom Tikanjo, qui parle premier chanter. Deuxième côté où parle chanter la Dessalinienne, c'est dans la ville Port-au-Prince, 29 novembre 1903. Dans une activité qui t'a faite pour commémorer le jour où la mère d'Igénan est entrée dans la ville au Cap après la bataille vertière. C'est élève école de musique là qui parle chanter dans le petit théâtre de Port-au-Prince. Et puis, 1er janvier 1903, il parle chanter pendant la cérémonie commémoration. 6 août 1919, 16 ans après concours, président d'Acticnav parle pour un décret pour faire la Dessalinienne tourner inofficiel pays. C'est historien Raymond Moïse qui parle mettre hymne en créole dans l'année 70-80. Anti de Rose, un grand chanteur, parle permettre version créole la vin plus populaire que version originale. Malgré ça, constitution paraît connaître version créole là comme officielle. C'est là que mettons bout à vidéo aujourd'hui. Pas hésiter à partager vidéo, abonner à la chaîne là et puis activer la cloche notification. Rendez-vous semaine prochaine.